Salut, c'est Fred. J'espère que tu as la forme. Je suis content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Bon, j'espère que le vent va pas poser de soucis pour cette vidéo, que tu vas pouvoir entendre tout ce que j'ai à te dire. J'avais envie d'être dehors là. Il arrête pas de flotter tout le temps. J'ai vu qu'il y avait une accalmie, un brin de soleil. Je me suis dit, vas-y, je sors et j'enregistre ma vidéo. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de lâcher prise, comme tu l'as compris en voyant le titre de cette vidéo. Et ce que je voulais te dire, c'est déjà, c'est quoi de lâcher prise? Tu peux pas lâcher prise si tu veux lâcher prise. C'est compliqué, c'est particulier ce truc là, mais je sais pas si tu l'as remarqué, mais plus tu veux lâcher prise sur un truc et moins tu y arrives. Pourquoi? Bah parce qu'en fait ton focus il est posé, il est porté sur le truc que tu tiens, tu vois. Donc l'idée déjà c'est d'identifier qu'est-ce que tu tiens, parce que vouloir lâcher prise c'est une chose, mais c'est bien aussi de se rendre compte qu'est-ce qu'on veut lâcher. Ok, donc regarde déjà ce que tu veux lâcher, et déjà dans un premier temps. Et l'idée après, ça va être d'apprendre à accueillir. Parce que, comme je te l'ai dit, plus tu veux lâcher prise, et moins tu y arrives. Donc, l'inverse de lâcher prise, c'est l'idée c'est d'accueillir, d'apprendre à accueillir les choses, à accueillir les choses de la vie. Pour ça, tu l'as peut-être déjà remarqué dans ta vie, si tu prends du recul, il y avait des situations dans ta vie où est-ce que tu n'arrivais pas à lâcher prise, des choses qui sont passées dans le passé, dans ta vie, dans ce que tu as vécu, où est-ce que tu n'arrivais pas à lâcher prise, et tu y arrivais en fait en te défocalisant, en portant ton attention naturellement sur autre chose. Et puis peut-être le temps est passé, et puis un jour tu t'es retourné comme ça sur ton passé et tu t'es dit merde, j'arrivais pas à lâcher prise à une époque sur ce truc-là qui me polluait, et finalement j'y suis arrivé. Je ne sais pas comment, mais j'y suis arrivé. En fait, la manière dont tu y es arrivé, c'est parce que tu as changé de focus. Tu as arrêté de regarder ce truc que tu tenais, où est-ce que tu voulais tant lâcher prise, ok? Tu as arrêté de regarder ça et de porter toute ton attention là-dessus, tu t'es mis à regarder autre chose, dans une autre direction. Donc pour lâcher prise, moi en tout cas, le conseil que je peux te donner au travers de cette vidéo, bon, le mieux bien sûr, c'est un accompagnement individuel. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux, puisqu'on peut en discuter de ta problématique, de ce que tu vis précisément, on peut aller au cœur des choses. Mais le conseil que j'aurais donné au travers de cette vidéo, déjà, dans les grandes lignes, c'est, ça souffle vachement, j'espère que ça ne te gêne pas. Dans les grandes lignes, c'est de porter ton attention sur ce qui te fait du bien. Focalise-toi sur des choses positives, sur des choses qui te tirent vers l'avant, qui te tirent vers le haut. Des choses qui te font du bien, quoi. Apprends à accueillir la vie, ok, sous son côté le plus, son aspect le plus positif pour toi, le plus bénéfique pour toi. En portant ton attention sur ça, et non sur ce que tu tiens, d'accord? Naturellement, petit à petit, tu vas t'orienter comme ça dans cette direction de ce qui te plaît, de ce que tu aimes. Et petit à petit, tu vas arriver comme ça à lâcher prise sur ce truc qui te fait chier tout simplement, et que tu n'arrives pas à lâcher. Donc c'est vraiment un travail d'arriver à se focaliser sur ce qui me fait du bien, sur ce que j'aime, sur ce vers quoi j'ai envie d'aller, et non plus de me focaliser sur ce que je tiens, sur ce qui me gêne. Juste de dire avec des mots comme ça, ça paraît simple. Je sais que ça peut être compliqué au premier abord, mais dans le fond, c'est vraiment de ça dont il s'agit. C'est changer son focus. Voilà. Regarder dans la direction de ce que je veux, ce que j'aime, ce qui me fait du bien, et y aller. Pas seulement regarder et puis rêver, mais y aller. Vraiment, oser se lancer et avancer vers ce qui te tient à cœur, ce qui te fait du bien, ce qui te porte, ce qui te motive, ce qui te plaît. Et le lâcher prise, il va se faire naturellement, parce que tu vas passer à autre chose, tout simplement. Et en passant à autre chose, en accueillant ces bonnes choses dans ta vie, tu vas passer à autre chose, et c'est comme ça que le lâcher prise va s'opérer. Parce que tu vas laisser tomber, en fait. Tu vas arrêter de tenir prise. Voilà. Vouloir lâcher prise, en fait, c'est ne pas accepter de lâcher ce qu'on tient. Voilà, tout bonnement. Donc, focalise-toi sur ce qui te fait du bien, sur ce qui te plaît, sur ce que tu aimes. Va dans cette direction, ose y aller, un pas après l'autre, à ton rythme. Sois indulgent avec toi-même et tu vas lâcher prise naturellement. Tu l'as déjà vécu, en fait, dans ta vie.
tu peux fouiller dans ta mémoire et aller chercher comme ça des choses dans ta vie où est-ce que tu n'arrivais pas à lâcher prise, c'était difficile pour toi, des moments difficiles pour toi, et t'y arriver parce que tu as changé ton focus, il s'est passé des choses dans ta vie qui t'ont amené à modifier ton regard, à porter ton attention sur autre chose, et naturellement, pouf, tu as laissé tomber ce truc-là parce que ça n'avait plus de sens pour toi. Là, c'est la même chose, sauf que l'idée, c'est de le faire consciemment, volontairement. Voilà. C'était une courte vidéo sur le lâcher prise. J'espère que ça t'aura apporté des réponses. Dis-le moi en commentaire. Ça ne remplace pas, bien sûr, un accompagnement individuel. Donc, pour ça, il y a mes coordonnées, tout simplement, dans la description de la vidéo. Tu cliques, tu regardes, tu prends contact avec moi. Et moi, je peux t'accompagner individuellement pour régler ce que tu as à régler, débloquer ce que tu as à débloquer et passer à autre chose. Je peux vraiment t'aider par rapport à ça, t'accompagner par rapport à ça, si tu en ressens le besoin. Voilà. Bon, sur ce, je te dis à la prochaine. Comme d'habitude, ose vivre ta vie, prends soin de toi pour de vrai. Appelle-moi s'il y a besoin, ok? Je suis là pour ça, je suis là pour toi. Prends soin de toi, à la prochaine. Ciao, ciao.